Bonjour à tous, direct avec des chamois qui partagent le même champ que les vaches ici. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, je ne parle pas trop fort. Ces chamois qui sont en train de paître ici, dans la prairie, avec ces vaches de race abondance qui sont ici, nature qui passe ici. Pas dérangés du tout ces chamois, absolument pas dérangés. J'en profite d'ailleurs pour avancer un petit peu, regardez ce troupeau de chamois dans le Haut-Val d'Arly, sur la commune de Notre-Dame de Bellecombe, ou alors Flumet, c'est entre les deux, peut-être Flumet. Hein. On les voit, ces chamois qui nous regardent ici, alors que les vaches sont à côté. Vous voyez, partage du même territoire entre les chamois qui sont ici en train de paître hein, tranquillement. Les voitures qui passent ici, vous voyez, les voitures passent ici, ça pose aucun problème. On profite pour m'avancer un petit peu. Nous sommes ici dans un endroit assez étonnant. Avec ce partage des lieux entre ce magnifique troupeau de chamois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et les vaches derrière, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. C'est ça la montagne, à l'automne, c'est le partage des prairies. Les vaches sont tranquilles ici, et les chamois sont particulièrement tranquilles ici, vous voyez, pas de problème pour partager le même territoire, un endroit super. Bonjour à tous, nous sommes en Savoie. Exactement, du côté de Notre-Dame de Bellecombe, Flumet, et voilà, un troupeau de chamois qui partagent le même espace que les vaches, paisibles ici, regardez comme c'est beau, c'est magnifique, vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin, merci, bonjour à tous, bonjour à toutes, les vaches qui regardent les chamois, tranquillement, il n'y a pas de concurrence, peut-être un peu pour l'herbe, mais comme il y a beaucoup d'herbe en cette fin d'année, il n'y a pas trop de problèmes. Voilà comment ça se passe ici, sur cet endroit magnifique, qui s'appelle le Haut-Val d'Arly. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude quasiment. Je bouge un petit peu, je suis vraiment désolé. On va essayer de dézoomer un petit peu. Si j'y arrive, voilà, je zoome à fond sur ces chamois qui sont ici. Regardez, pas très net, je vous l'avoue. Mais voilà à quoi ça ressemble, c'est magnifique. Écoutez, on va vous laisser avec ce beau paysage. Regardez, d'un côté les vaches, abondance. Et le ciel est un petit peu gris ce matin, mais le soleil est annoncé. Salut Dany, Nadi Moreau, champion du monde d'accordéon. Agriculteurs dans le Haut-Doubs, effectivement, les chamois n'ont peur de rien. Bonne journée, effectivement, merci à toi, Dany, au plaisir de te revoir. Effectivement, regardez comme c'est beau, on va s'avancer un tout petit peu. On rappelle hein, qu'on est en Savoie, que le ciel est un peu gris ce matin. Je vous montre un peu le paysage autour de moi. Il y a la route qui passe, regardez la route ici. Aucun problème pour ces chamois, vous voyez un petit peu, le temps est un peu gris, là, Beaufons, c'est Megève. Hein. Et puis, c'est le Val d'Arly de la Haute-Savoie, là-bas derrière, vous voyez. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Coucou du Doubs, nous dit Patrice, si elle est gris aussi. Regardez, on va s'avancer un tout petit peu, pas trop quand même. Voilà, magnifique partage du territoire. Voilà, je ne vais pas trop m'avancer parce que j'ai peur qu'ils s'en aillent, ces petites bêtes. Regardez, d'un côté les chamois, de l'autre, tranquillement, les vaches qui sont ici. Pas de concurrence, hein, on ne se fait pas de concurrence du tout. Merci à tous et à toutes pour ce petit direct. On vous retrouve dans un instant, nous serons du côté de Crévolant. Salut Pierre, du côté de Autun. Le Morvan, la Saône-et-Loire, voilà. Eh bien écoutez, on est très heureux d'avoir fait partager ce partage, justement, partage aussi de la prairie entre ce magnifique troupeau de chamois ici et ces vaches qui sont là. Belle journée, à très bientôt. Merci à tous et à toutes de votre fidélité sur cette page. Vous êtes plus de 500 000, on en est très fiers. Belle journée, bon week-end et à très bientôt.